la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam. Yo! Et en compagnie de Yacine. Aujourd'hui, il y a un méga défi. Ils vont devoir manger tout ce que Google décide. Ça va être une dinguerie. Attends, mais comment ça, Google? Oui, des légumes. Des légumes, des trucs pas bien. Non, en vrai, t'inquiète, t'inquiète. Donc, le concept, il est simple. Ils vont devoir taper ce qu'ils veulent sur Google et ce qui va s'afficher, ils vont devoir le manger. Par contre, Uber Eats interdit, restaurant interdit, Younes va devoir tout cuisiner. Fais-moi confiance, serre-moi la main. Par contre, si... attends, par contre, s'il y a du porc, on est d'accord qu'on a le droit de changer. On va se retrouver sur Google. C'est le mec qui veut jamais lâcher la main quand tu sers la main. C'est parti. Lâche-moi. Ok Myriam, on est devant Google et c'est lui qui va décider ce qu'on va manger. Donc je vais te laisser faire, tu vas écrire ce que tu veux dans la barre de recherche. C'est quoi ta stratégie là? Je vais écrire fast food comme ça va peut-être me faire tomber sur un le meilleur tacos de France. Oh, regardez les gars, pizza, burger, hot dog. Oh là t'as 3 burgers. Oh alors imagine tu tombes sur ça. Il y a combien de trucs? Il y a des pizzas, des hot dogs. Numéro... attention, bismillah. 29, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oh, la chance, t'as un Big Mac. Oh, c'est pas halal, les Big Mac. Mais on doit le faire nous-mêmes, il a dit. Oh, t'es refait, t'as la Big Mac, frites, ketchup, coca. Les amis, on est parti au magasin pour manger ce que Google décide. Yacine a dit qu'on devait tout faire nous-mêmes. Donc, regardez. J'ai personnellement choisi ce pain. Eh les gars, les pains briochés, on est d'accord Myriam? Ouais, c'est incroyable. C'est quoi, tu manges un pain ici, ça reste bloqué. T'as vu le pain des sésames? C'est... oh. Eh, c'est le premier cuisinier que je vois, il a une casquette à l'envers. Toi, t'as un cuisinier racaille en fait. De quoi, pourquoi tu juges ma cuisine? N'importe quoi. Ouais les gars, écoutez le pain, il dit n'importe quoi. Et on a déjà toasté les pains. Regardez, tout est bien toasté, c'est carré. Alors la sauce, je sais pas quoi mettre en sauce. Moi, je t'aurais conseillé de mettre la sauce angolaise. Andalouse. Ouais, andalouse, pardon. Mais t'es sûr, ça va pas faire bizarre, c'est mieux que la mayo. Moi, la mayo, c'est la valeur sûre, non? Tu peux mélanger les deux. Ouais, je vais mélanger les deux. Je mets un peu de sauce andalouse comme ça. Et je vais mettre, comme on a dit que c'était un Big Mac, de la sauce deluxe. Viens de l'acheter, il y en a déjà plus, mais vous êtes des malades mentaux. Il n'y en a déjà plus. Ensuite, on va enchaîner par un premier steak ou un fromage. Moi, je t'aurais conseillé de mettre un fromage de chaque. Un fromage de... attends, mais c'est un Big Mac spécial, ça. Ouais, c'est un Big Mac à la Younes. Là, je mets un steak. Ensuite, je remets de la sauce. Parce qu'après, ça va être sec. Et moi, j'aime pas les hamburgers steak. Et Myriam, elle va dire que c'est pas un bon burger. En fait, t'as mis les 3 sauces. Ouais, j'ai mis toutes les sauces, comme l'équipe de France. Ensuite, tu remets un fromage. Je remets un fromage. Tu penses, je remets... ouais, je suis obligé de remettre un steak, je suis un ouf. Est-ce que tu penses que je remets de la sauce ici, là? Bah oui, sinon ça va être sec. Ouais, logique, je remets la table, les gars. Tac. Oh, en fait, t'as fait un Big Mac, mais en mode, à la place de mettre des pains, t'as mis du fromage. Incroyable. Tiens, je sais pas pour vous, mais moi, ça me stresse. Je peux pas laisser un burger comme ça avec le fromage qui déborde comme ça. Regardez, on va couper les bords, on va les mettre sur les frites, ça va être incroyable. Le premier repas est arrivé, les gars. J'ai essayé de faire comme j'ai pu avec les petites frites, le burger et la sauce. J'espère vraiment que Myriam et Yacine vont valider ce repas. Franchement, c'est tout identique, sauf que sur la photo, il y avait un verre de Lipton. Ah, il manque le Lipton Ice Tea. Oh ouais. Non, désolé. Oh, yo. Mais déjà, goûte le burger. Le plus important, c'est le burger. Goûte le burger et on va voir s'il va être bon. Parce que le plus important, c'est pas le visuel, c'est le goût. C'est le goût qui fait tout, les gars. Allez, ah, elle va tester. Myriam, il y a 2 steaks, 2 fromages. Est-ce que tu as rajouté du ketchup dedans? Ça va aller. Je sais pas si tu vas réussir à assumer. Bismillah. Wow. Elle a mis un méchant. Fais voir le croc que t'as fait pour voir si elle a réussi. Mais je crois qu'elle a pas eu de viande. Elle a eu que du pain, je crois. Ah oui, ouais. Parce qu'elle a une trop de petite bouche, les gars. Là, normalement, elle a tout eu. Là, elle a tout eu, les frères. Là, t'as tout eu, là. Du coup, t'en penses quoi? Regardez le burger ici. Il a l'air incroyable, les gars. T'as vu, en plus, ce que j'aime bien, c'est que les steaks, ils sont pas fins, genre des semelles de chaussures. Mais moi, tu vois, justement, ça, c'est ton avis. Mon avis, moi, je préfère les steaks fins. Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, parce que si tu mets trop de viande, ça devient écœurant. Moi, je pense vraiment qu'on dirait un Big Mac, mais vraiment. Ah ouais? Ouais. Ok, et le fromage, ça donne un côté fondant. Toi, tu préfères avoir du fromage ou du pain? Parce que tu sais, ils mettent du pain à chaque fois. Younes, il a mis du fromage. Du fromage. Ouais. Ah bah, tu vois, ça a été un carton plein pour Younes. Goûte un peu les frites pour voir comment elles sont. Est-ce que t'es frite, toi, déjà? Ouais. Eh, ceux qui disent je suis pas trop frite, là, je vous comprends pas. Tout le monde est frite. À chaque fois, je dis ça, les gens, ils veulent pas m'écouter. Je suis pas trop frite, mais t'es quoi alors? T'es carottes, t'es lentilles, t'es la haine. Ah ouais? Oh la dinguerie. Du coup, si tu devrais mettre une note de 1 à 10, tu mets combien? 9,5, parce qu'en fait, ils manquent juste les Lipton, c'est parfait. Ah, il manque le Lipton, ok, pour avoir 10. Vas-y, à mon tour. Les gars, moi, je vais pas parler chinois. Je vais taper pizza, tacos, kebab. Et je vous ai dit, il y a tacos, kebab, il y a tout. Il faut que je tombe sur ça. Attends, ici, il y a quoi? Oh, pizza, burger, kebab. Et là, normalement, je peux avoir... oh, regardez ici. Il y a combien? Il y a 2 pizzas. Non, là, je suis obligé d'avoir un vrai bail. Ok, 3, 2, 1, numéro 3. Numéro 3. 1, 2, 3. Incroyable. On a une pizza aux légumes, avec un kebab, un burger. En vrai, je suis refait, ça va. Hein. Ah. Salam alaikum abé, on va préparer kebab, hashish kebab. Toi, tu veux te faire virer de la Turquie? Ah ouais, mais t'es pas en Turquie. Les maîtres kebabiers, il faut mettre plus de viande que de pain. C'est la base. Déjà, on commence par la sauce. Attends, tu mets quoi dans ton kebab? La base, c'est mayo samouraï. Je vais mettre andalouse. Ensuite, on va mettre la blinde de fromage ou de viande. En vrai, le fromage, comme ça va bien fondre. On va mettre ce fromage-là, là, les gars, c'est une dinguerie. Ça, il coupe du fromage. Et arrête, tu fais quoi avec le ciseau? Ah, tu crois que j'allais le redonner à Myriam pour l'école? On va blinder la viande. Comme ça. Waouh.
kebab. Faut mettre de la sauce encore. Ah oui, non, frère. Ça va être trop sec. Bah, la sauce, je vais la mettre après la sauce. Bon, les gars, moi, je vais enlever ça. Bah, allez, craille. Oh là 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 là, les gars, tous les repas sont arrivés. On a à droite un burger, on a un kebab et on a une pizza. Myriam, tout à l'heure, quand elle a vu la pizza, elle avait ah, mais excuse-moi, mais elle est super bonne, c'est une pizza. Moi, ce qui m'a le plus envie, c'est ça et ça. Ok, tu veux que je commence par ça? Vas-y, on met la pizza de côté, les amis. Ça fait archi longtemps, j'ai pas mangé. C'est un filet aux fiches, en fait. Ouais, ça fait longtemps, comme on a plus le droit d'aller au McDo. Regardez, poisson, de la sauce, du fromage. Pa, 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 pa. 1, 2, 3, bismillah. Sois honnête, hein. En fait, c'est pas du tout un filet aux fiches, pas du tout, ça n'a rien à voir, puisque j'ai mis très de la sauce andalouse. Ouais. La sauce andalouse plus le fromage plus le poisson, ça fait un mélange super bon. Et comme je l'ai dit au magasin, les gars, ce pain là, moi je peux plus manger du pain avec les pics de les comment on appelle ça à l'intérieur. Graines de sésame. Les graines de sésame, je peux plus. Moi, je peux manger que les pains doux comme ça, tu vois, ça passe crème. J'y revais. Ça glisse dans la gorge. Voilà, ça glisse. J'y revais un coup, les gars, je suis obligé avec. Là, c'est la bouchée parfaite. Mieux que McDo, mieux que Quick, mieux que tout ce que tu veux, les reilles. C'est du Younes. C'est... Comment on pourrait appeler mon fast-food si j'en ouvre un? Food familial. Ouais, mais les petits comprennent pas food, ils comprennent pas l'anglais, faut un truc simple. En attendant d'avoir une idée, les gars, on va taper le kebab. Kebab, je sais pas si t'as remarqué, Myriam, mais il y a ni salade, ni tomate, ni oignon. Et il y a plus de viande, t'as vu? Avec des morceaux de fromage. Donc là, je pense que ça va être un des meilleurs kebabs. Même si tu vas dans un vrai kebab, tu pourras jamais trouver un kebab comme ça, regarde-moi. Ah, mais je suis un ouf, t'en veux? Ouais. T'es sûr? Mais tu commences, non? Ok, juste, me dis pas que t'as pas mis de sauce. Il a mis plein de sauce, t'inquiète. Il a mis par-dessus, derrière, il a mis grave de la sauce. T'en penses quoi du coup du kebab? Est-ce qu'il est validé? Est-ce qu'il est pas validé? Est-ce que tu préfères le burger ou le kebab? Je vais vous dire la vérité, hein. Il est 1000 fois plus bon que au moins 50% des kebabs. On n'a pas la salade qui vient, les oignons. Et le pain, t'as vu, le pain, il est fin. C'est-à-dire, c'est pas un gros pain qui reste bloqué ici, là. Et le fromage, regarde le fromage, goûte bien dans le fromage, la bouche est parfaite. Wesh, doucement, frère, c'est mon kebab, ma gueule, doucement. Regarde, t'arrives même plus à parler, t'arrives même plus à respirer, tu vas t'étouffer. T'as tellement de viande dans la bouche, doucement. Regarde, ici, on dirait t'as une bosse. Tu peux faire de la moto, mais. Franchement, les amis, en plus, la viande, elle est bien grillée, j'ai fait une cuisson au four. J'ai pas fait une cuisson à la broche, t'as vu, comme eux, ils font comme ça, là, avec leur rouleau. Je te jure que c'est 1000 fois plus bon que tout ce que j'ai goûté en termes de kebab. Tu me fais confiance. Oui. Tu l'enlèves à la carte de venez manger chez la Côte Familia, la pizza. Myriam, elle était pas trop sereine, Myriam, elle m'a dit ouais, pizza, moi, légumes. Tu fais une part, c'est celle-ci. Moi j'aime bien parce que Google, ils nous ont mis bien Google. Regardez, comment on va faire la pizza? Moi je prends ma part. Voilà ma part. Je te mets où il n'y a pas de légumes, regarde. Là il n'y a pas de légumes. Sympa, je te donne mon repas. Oublie pas pour les prochaines vidéos, t'as vu? Parce que toi à chaque fois tu me dis non. Voilà, tu m'attends, c'est moi qui dois croquer en premier. Ouais, alors ma part elle est là. Mais quoi? Mais c'est la moitié. C'est ma part, c'est Google, ils ont dit. Ah bien. Bismillah. Eh, ceux qui font ça, quand je regarde les vidéos dégustation, ceux qui font ça, qui mangent, ça se voit, vous mangez moi, des pizzas tous les temps, jours. Moi, je le fais tout le temps, mais ça se voit, vous mangez ça tous les jours. Moi, je mange ça une fois, rarement. Donc, je vais savourer chaque croc. Bismillah. Myriam, elle ose pas croquer. Croque bien où il y a des légumes. Croque bien où il y a des légumes. Croque. Ouais, n'aie pas peur, t'inquiète, les légumes dans une pizza, c'est bon. Dites-moi, vous en pensez quoi et si les légumes, ils cassent tout ou pas? J'aime bien, les gars, vous savez pourquoi? Là, c'est pas croquant. T'as vu, il y a des pizzas, tu croques, ça te casse la dent. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est fondant, c'est moelleux. Et le fromage, il est super bon. Avec le mix. Moi, je mange des légumes tous les jours, t'es conscient, Yacine? Ouais. Et ben, franchement, ça rend super bien dans une pizza. Ouais, elle a fini la part de pizza. Mais pourquoi tu fais ça à chaque fois? Prends du plaisir. Mais regarde là, tu peux plus respirer. Si je te fais ça, tu fais comment? Tu vois, tu vas t'asphyxier, t'es comme sous l'eau. C'est n'importe quoi celle-là. Donc les amis, pour notre part, le plat principal est validé. On fait des desserts. Dessert tout simplement, vas-y, dessert. Ouh, la régalade les gars. Il y a des petites tartes aux fraises, des petits trucs au chocolat. C'est quoi ça? Ok, t'es prête? Oui. Go. Numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, trop bien, t'as un fondant au chocolat. C'est-à-dire que tu peux te prendre un bon fondant au chocolat. Incroyable! Tiens, Myriam, au lieu de faire la folle. Là. Moi, j'en ai marre, je suis responsable de tout. Dans cette vidéo, je suis pas votre esclave. T'as un fondant au chocolat. J'espère que le fondant, il est fondu. Ah, normalement, logiquement. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas gâcher mon travail. Ici, t'as un papier, il faut enlever le papier. Dégage pas mon travail, s'il te plaît. Comment on fait pour l'enlever? Non, bah c'est bon, allez, gâche mon travail, ouais, vas-y. Vas-y, on va voir si ça fonctionne, t'as fait n'importe quoi. Non, s'il te plaît, me dites pas si. Oui, let's go, il y a du fondant. Ah, mais tu forces, toi. T'as juste à ouvrir ta bouche et manger, wesh. Là. Regardez comment elle fait, genre. C'est chaud? C'est quoi cette tête? Ah, arrête, tu fais trop des manières, toi. C'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a à raconter? C'est même pas chaud, mais t'as bu! Toujours dans la comédie, celle-là, là. Mais c'est ça, un fondant, regardez à l'intérieur. C'est comme une piscine de chocolat.
Mais c'est incroyable, c'est moelleux, c'est à la fois moelleux, après tu rentres dans une piscine de chocolat. Avant que Dessy prenne son repas, Myriam, elle a quelque chose à vous dire. Déjà, avec Allah, te récompense d'avoir écouté ce rappel. On n'a pas encore écouté de rappel. Bah attends, mais bah, du coup, à la mosquée, déjà, il a parlé de la sorcellerie, il a dit que c'est quelque chose en ce moment qui est répandu dans tout le monde. Déjà, c'est un très grand péché, c'est un péché majeur. Si toi, par exemple, t'es une personne qui, tous les jours, tu désobéis à tes parents, et bah Allah, comme quoi qu'un jour, si tu te repens envers Allah et que t'es vraiment sincère dans ton cœur, et bah peut-être qu'Allah, il peut pardonner. J'espère que, enfin, protégez-vous et bah on va manger, hein. Ok, pour ma part, je vais prendre des risques, les gars, je vais mettre meilleur dessert du monde. J'espère qu'il va pas mettre des desserts claqués, hein. On a un gâteau chocolat, po. Oh, ça se voit, c'est une masterclass, ça. En plus, tu vois, attends, regarde, il y a marqué Younes. Non, il y a marqué Sacha. Ça, j'ai pas envie de tomber dessus, c'est bizarre. Ok, 3, 2, 1, numéro 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, trop. C'est un gâteau au chocolat avec multi-parts. Non, il n'y a qu'une seule part. Non, mais en mode multi-couches de chocolat. Ah. Salut toi. Eh hey, les gars, ça ressemble quand même. Regardez, il y a les 6 couches là, ou je sais pas combien de couches de chocolat. Ça, c'est le meilleur moment de la vidéo, les mecs. Peace Midler. 1, 2, 3, on va prendre une bonne cuillère. Ouais. C'est quoi ça encore? Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi? Je viens de la Grèce. Il n'est pas un centime pour rejoindre Willy Wonka. Tu vas travailler? Et tu veux quoi? J'ai pas d'argent sur moi. J'ai de faire mon dessert. Vous pouvez me passer une miette de votre gâteau? Qu'est-ce que c'est que ça, Yacine? Donne-lui. Monsieur, s'il vous plaît, je viens de la Grèce. Je suis assoiffée et affamée. Ce n'est pas assez. Tiens. C'est tout? Mais tu veux quoi, toute la part? Bah ouais. S'il vous plaît. Mais vas-y, rentre chez Watt. Non, c'est pas la peine. Donne-lui gâteau. Tu veux employer les manières fortes? Est-ce que je peux en prendre un bout au moins avant de vous donner? Non, monsieur. Monsieur! Ah, tiens. Merci. J'ai une blague! Oh! Ben. Elle a baptisé le gâteau! Ah. Mais je vais juste goûter mon bout! Elle a baptisé le gâteau! Tu fais quoi avec ta claquette? Fais ça! Pourquoi elle fait ça? C'est mon dessert! T'as déjà mangé ton dessert! Mais t'as déjà mangé ton dessert! Aujourd'hui, chez la Côte Familia, ils se battent pour une part de gâteau. T'as déjà mangé ton dessert! D'habitude, les gens. Mais se battent pour de l'argent, mais non, eux c'est pour une part de gâteau. Bien, c'est bien. Allez. Loupa, loupa. Sors. Je serai toujours là. Sors. Le gâteau, il est incroyable, les gars. Moi, je vais vous laisser là, je vais essayer de récupérer mon gâteau. Bombardez la barre des likes si vous voulez qu'on fasse un épisode 2 et abonnez-vous. Allez, ciao.